Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, et je me suis dit que j'allais vous refaire une vidéo que j'avais déjà tournée par le passé, remis au goût du jour, histoire que l'explication soit plus claire pour vous. Alors ce tour, c'est une routine de l'huile et l'eau, pour moi, une des routines sans gimmick les plus clean qui existent. Tout simplement car elle n'utilise aucune carte truquée, aucune carte en plus, on a réellement 8 cartes. Et vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, il suffit de connaître une seule technique. Bref, je vous laisse tout de suite avec la démo, et on se retrouve juste après pour les explications. Pour la démo, et je ne sais pas si vous savez, mais si vous prenez un récipient et que vous versez un peu d'huile et un peu d'eau et que vous laissez reposer, vous verrez que l'huile et l'eau se séparent. Je vous propose de revivre cette expérience avec des cartes. Donc j'ai ici 4 cartes noires qui représenteront l'huile et 4 cartes rouges qui représenteront l'eau. Bien entendu, les cartes sont examinables, on a uniquement 8 cartes. Regardez bien, on va refaire cette même expérience en mélangeant des rouges et des noirs comme si c'était de l'huile et de l'eau. Nettement. Je vous remontre, on a une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire et une rouge. Vraiment nettement, sans trucage. Regardez bien. On est d'accord que si je prends une carte du dessus et que je la mets en dessous, l'ordre des cartes ne change pas, on a toujours une noire, une rouge, une noire, une rouge. Pourtant, si on sépare en deux paquets de 4 cartes, qu'on laisse un petit peu reposer, comme l'huile et l'eau, on peut s'apercevoir qu'on se retrouve d'un côté avec des cartes rouges et par conséquent, de l'autre avec les cartes noires. Comme l'huile et l'eau, les rouges et les noirs se séparent. On va le refaire, peut-être je suis allé peut-être un petit peu vite la première fois. On va de nouveau intercaler les rouges avec les noirs, vraiment nettement, je le fais tout doucement. On égalise vraiment tout doucement, aucune triche. Pourtant si on coupe à 4, vraiment pour faire deux paquets de 4 cartes, on laisse un petit peu reposer. Si on regarde de nouveau, on va avoir les rouges d'un côté, et forcément, de l'autre, les noirs. Incroyable. Allez, une dernière fois, regardez bien. Toujours pareil, on prend, on met une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge et une noire. De cette manière, on est sûr qu'on a les cartes intercalées. Forcément, si on regarde dans le milieu, on peut avoir deux cartes côte à côte, c'est normal. Regardez bien. Les rouges, juste ici, on laisse agir. Les noirs, juste ici, on laisse agir un petit peu. Et pourtant, comme l'huile et l'eau, on peut voir que les rouges se retrouvent d'un côté et les noirs de l'autre. Les cartes se sont de nouveau séparées. Et bien entendu, tout est examinable instantanément. Il n'y a rien à voir. Un vrai petit miracle. Allez, on se retrouve pour l'explication de cette routine de l'huile et l'eau. Alors, je sais qu'il existe beaucoup de méthodes, beaucoup de versions de cette fameuse routine qui est très ancienne. Je vous explique celle-ci, c'est celle que je pratique quand je n'ai pas de gimmick ou de cartes truquées sur moi. Tout simplement car elle n'utilise aucune carte supplémentaire, uniquement 8 cartes, 4 noires, 4 rouges. Elle est assez simple d'utilisation, il suffit de connaître une seule technique qui est le comptage Hemsley. Elle est simple à prendre en main, il n'y a pas de mouvement suspect, c'est assez clean je trouve, et à la fin on est vraiment clean. Donc vraiment voilà, je trouve que c'est la version la plus optimisée, la meilleure pour ceux qui aiment être tranquille et rien avoir à cacher. Donc pour ce faire, vous allez prendre 4 cartes noires. Alors moi je vous conseille tout simplement de prendre les 2 9 et les 2 8, comme ça... pour les yeux du spectateur, ça le perdra un petit peu lors du comptage Hemsley. Et de la même façon, du coup, les 2-8 et les 2-9 rouges. Prenez les deux paquets, vous les mettez ensemble comme ceci. Et vous présentez les 4 cartes rouges d'un côté, les 4 cartes noires de l'autre, nettement des deux côtés, il n'y a rien à cacher. À ce moment-là, vous allez intercaler une noire, une rouge. Une noire, une rouge. Une noire, une rouge. Une noire, une rouge. Le plus nettement possible. Vous égalisez tout. Et là, vous récupérez le paquet. Et là, vous, sous prétexte de le remontrer clairement, vous montrez, vous allez prendre une que vous montrez, vous flashez, une rouge, et vous posez sur la table. 2, 3, 4. Et là, regardez bien, je vais faire 1. Et je reprends celle de la suivante. 2, 3, 4. Et je pose le paquet entier dessus. Cette petite manip qui paraît anodine va permettre de changer l'ordre des cartes. De plus, quand je récupère, je prends la carte du dessus. Et je la passe dessous et je dis, en faisant ça, je change absolument rien. En réalité, j'ai préparé le paquet. De là, je peux couper à 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai 4 cartes également. On laisse reposer. Quand on récupère, nous suffit ici de faire un Hemsley parce qu'on est en position du comptage Hemsley. Donc, vous réalisez le comptage Hemsley. Et vous montrez 4 cartes noires. Pour ceux qui ne connaissent pas ce comptage, je vous invite à aller sur mon école de magie, tutomagie.fr, dans la rubrique comptage. Comptage Hemsley, vous verrez, j'explique en détail comment on réalise ce fameux comptage. Et de l'autre côté, de la même façon, vous faites la même chose.
un comptage Hemsley pour montrer qu'il n'y a que des rouges. Première phase, vous recommencez en prenant les 4 cartes ici, vous les étalez vers l'avant comme ceci. Et là, vous prenez la première que vous ne pouvez pas montrer et vous la placez juste ici en dessous. Et vous enchaînez. Et là, vous pouvez flasher à chaque fois la noire que vous placez et que vous intercalez à chaque fois en suivant l'ordre. Hop, hop. Vous égalisez de nouveau, nettement. Vous allez de nouveau couper à 4, mais cette fois en comptant les cartes. 1, 2, 3, 4. Vous posez, on laisse agir, et de nouveau, vous allez répéter l'opération en faisant un comptage Hemsley, et on aura que des noirs d'un côté, que des rouges de l'autre. Pour la dernière phase, vous allez récupérer toujours pareil le paquet ici, vous éventaillez comme ceci. Vous ne montrez pas la première vous n'allez pas la mettre en dessous cette fois, mais ici, en deuxième. Et vous continuez. Hop, hop, hop. Vous égalisez. Et là, vous expliquez que toutes les cartes sont de nouveau intercalées. Donc forcément, dans le milieu, il y aura forcément deux cartes, une rouge et une noire. Et sous ce prétexte de dire ça, vous allez compter 1, 2, 3. Et la quatrième et la cinquième carte, les deux là, vous les retournez comme ceci. Pour montrer qu'effectivement on a une noire et une rouge qui sont côte à côte. Et vous séparez de cette manière et vous avez en fait échangé les deux cartes. Vous mettez la noire avec les trois cartes ici, la rouge avec les trois cartes par-dessus. On laisse agir et pourtant on peut maintenant montrer qu'ici on a bien toutes les noires et ici toutes les rouges. Je vous remonte toute la routine, ça donne ceci, 4 cartes noires et 4 cartes rouges. Regardez bien, on va intercaler. Une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, une rouge, une noire, comme ceci. Vraiment, donc je vous remontre, toutes les cartes sont vraiment intercalées, nettement. On est d'accord que si je prends une carte du dessus, que je la mets en dessous, ça ne change absolument rien. Pourtant, si on sépare à 4 cartes de chaque côté, qu'on laisse un petit peu reposer comme lui l'élo, on peut voir qu'on va avoir d'un côté que des rouges, et de l'autre forcément, toutes les noires. On va le refaire, regardez bien, on va tout simplement intercaler les rouges avec les noirs, vraiment nettement, hein. On égalise de nouveau, on coupe à 4, on laisse un petit peu agir, et pourtant on peut voir qu'on a maintenant les rouges d'un côté, et forcément de l'autre, les noirs. Pour la dernière phase, regardez bien, on le refait une dernière fois, et là, de nouveau, on intercale, donc vous êtes d'accord que si on intercale les cartes vraiment une à une, forcément dans le milieu il peut y avoir que deux cartes côte à côte hein, qui sont de couleurs opposées. Pourtant si on laisse agir, on pourra voir que toutes les noires sont d'un côté et toutes les rouges sont de l'autre. Donc voilà, c'est une routine huile et l'eau qui est vraiment très simple à réaliser à condition de maîtriser le comptage Hemsley. Je vous invite vraiment à bosser ce comptage, vous voyez, il revient souvent dans plusieurs routines de cartes. C'est un comptage très utilisé dans la cartomagie. Pour en revenir à cette routine, vraiment, pour moi, c'est la plus aboutie en termes de facilité sans trucage, bien entendu. Après, il y a d'autres routines qui peuvent paraître encore plus impossibles en utilisant forcément soit des gimmicks, soit des cartes spéciales, soit des cartes traitées, etc. Mais si vous ne voulez pas de cartes truquées, que vous avez juste un paquet de cartes sur vous, que vous voulez faire cet effet en impromptu par exemple, c'est vraiment génial parce que voilà, vous pouvez tout donner à l'examen, à la fin tout est clean, on n'a pas à repasser par le paquet, on a uniquement 8 cartes. Pour moi, c'est une très très bonne version à connaître, donc à travailler un minimum hein, au niveau de la fluidité du comptage à chaque fois. Et je suis sûr que ça surprendra vraiment vos spectateurs, car vraiment c'est assez bluffant. J'avais déjà expliqué cette vidéo quand j'avais commencé ma chaîne, donc la qualité des explications est peut-être différente par le passé, parce que je n'avais pas forcément le même matériel. Donc voilà, j'estimais important de vous refaire cette petite vidéo, vraiment en angle première personne, histoire que vous voyez bien les mouvements et comment tout fonctionne. Donc voilà, pour ceux qui découvrent cette routine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, me lâchez le gros pouce bleu, et pour tous les autres, on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort du concours de la semaine précédente qui était avec le color monté. Donc voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le tirage au sort. Donc j'ai mis l'URL de la vidéo en question pour gagner le color monté. J'ai coché la case duplicata de commentaires pour voir uniquement les uniques, et on va rechercher comme une commentaire Yann. Il y en a plus de 200. Allez, on va passer sur start pour lancer le tirage. C'est parti. Alors, qui va être le gagnant du color monté? Et c'est Timo Original. Ben, félicitations à toi, Timo. Tu viens de gagner color monté.
que tu recevras directement chez toi. Donc je m'avais mis comme commentaire mon tour favori, c'est celui-là, et ben voilà, comme moi, c'est mon tour préféré que j'utilise depuis très longtemps, j'espère qu'il te plaira. Donc ce que je vais faire, je vais épingler tout simplement ton commentaire que je vais rechercher dans la vidéo du concours Color Monté, comme ça, pour te montrer que c'est toi le gagnant. Et derrière, il va falloir que tu me contactes pour me donner ton adresse postale, donc soit par Facebook, soit par Instagram, soit par mail. Donc essaye de me contacter pour me donner tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer ton petit lot directement chez toi. En tout cas, je remercie tous les autres d'avoir participé au concours, de suivre et de regarder mes vidéos et de suivre ma chaîne, également les réseaux sociaux, etc. Ça me fait vraiment plaisir. Et en tout cas, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.